Mais non, Pipoudou! Merci pour le frime, incroyable. Quel beau pseudo. Ils ont enlevé l'augment... Non, il est historique. Ah ouais, là, ils l'ont fait, là, maintenant? C'est bon? Je sais pas si... Peut-être, ouais, t'as raison, hein. Merci, Okadai. Ouais, c'est surtout qu'on est tous différents. Hein. On est tous différents, donc ce que je dis moi, peut-être parler à une personne, mais ça ne résonnera pas en d'autres. Dites-vous juste, au fond, que le meilleur investissement, c'est en vous-même. Voilà. Je pense que ça, les gars, c'est la tech. On va devenir grand si on pense comme ça. Comment accéder au PBE? J'essaie depuis hier, rien ne marche. Écoute, t'installes le PBE... Parfois, avec le client League of Legends, il peut y avoir des bugs, donc tu peux relancer, essayer de trafic sur le client. Parfois, il faut que tu fais des petites manips pour retomber sur le PBE, mais pas de problème. Moi, je lance tous les matins, tout va bien. Merci beaucoup, Milios. Merci pour le Prime. Bienvenue à toi. Merci de rejoindre les Papichulo. Ou les Maxi Loulou. Voilà. Historiquement, les viewers sur ce stream étaient des Papichulo jusqu'à... Jusqu'à, je dirais, 2020, de 2013 à 2020. Mais depuis 2020-2021, on commence à avoir des maxi-loulous, plutôt. Donc voilà, libre à vous si vous êtes historiquement sur ce stream depuis les débuts, ou si vous êtes plus récent, maintenant vous pouvez choisir votre identité. Sachez que j'aime les deux autant. C'est fou le réseau, mais c'est quand même bien d'avoir des marqueurs, poids, pourcentage de graisse, pour monitorer les efforts. Pour moi, ça me donne la discipline de peser régulièrement. Ouais, je comprends, je comprends. En fait, bah, Ouda, je me dis juste, bah, si tu manges bien, si tu fais du sport, et que, bah, tu vois, tu fais ta petite vie, en fait, tu ne peux que être mieux. Tu vois, il n'y a pas besoin de pourcentage. Il n'y a pas besoin de... Enfin, tu vois, si tu manges une raclette, bon, bah, tu vas prendre du poids. tu vois, c'est vraiment straightforward. Donc, je m'intéresse pas trop aux marqueurs. Je les regarde par curiosité, hein. Ça m'arrive de me donner des fois de temps en temps, ça va à peu près, j'en suis à où, mais... Twisted Fate! Where they fell, freedom grew. Twisted Fate! Oh, et... J'ai fait un top 3 ce matin, du coup, en jouant Akali Nocturne Reroll. Mais c'était un peu bizarre. C'était un peu bizarre. Allez, courage, Flamav, courage. Des nouvelles de Frogger? Non, pas trop. Je crois qu'il stream plus trop, Frogger. Maintenant, il est plus sur Insta, YouTube, TikTok. Ouh, le 4 ans de forceur, là, j'aime bien. Ouh, le vilain 4 ans de forceur. Oh, il est très très vilain, celui-là. Alors, père. Piu, mais qui dit piu? C'est Maddy. Attends, on joue pas. On joue pas. Est-ce que tu connais des gens qui font des coachings de TFT de qualité? Alors moi je fais du coaching mais je coûte très très cher, hein, Mégaloutre. Donc si... si tu ne sais pas quoi faire de ton argent, je prends à partir un certain montant. Oh, pop. Est-ce qu'on n'est pas en double spark? Est-ce qu'on n'est pas en double spark? Est-ce qu'on n'est pas en double spark? Alors le problème de double spark, c'est que ça va pas trop avec Enforcer. Parce qu'Enforcer, ils ont beaucoup de dégâts à D. Envers quoi est-ce que je pourrais pivot? Je vais être en double spark, je crois, sauf si j'ai un plus 1... Et par contre, je vais attendre un level, je crois, les gars. Roll TF, dégâts AP. Ah, peut-être qu'il y a un TF TF Loris. On peut faire ça.
Parce que là, je peux pas aller vers Enforcer. Hein. Clairement, on va se perdre au bout d'un. Ah, quoi que en vrai. Loris, Loris. Where is Loris? Loris double zap, je pense qu'il faut jouer pas mal de sentinelles du coup. Singe, il est où singe? Singe! Hein? Léona. Iloy. Et si on faisait une compo comme ça, bien Golemon, est-ce que ça marche? Comme ça, je joue beaucoup autour des 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux roll Loris TF. Ça c'est fou le singe. Hein. Bon, Irelia, Singed ont l'air un peu fake. Est-ce que je peux les remplacer par mieux? Il y a un rebelle que tu peux gratter. Avec Akali. Sinon, tu peux faire ça. Le problème, c'est que là, mon carry c'est zap. Mon carry c'est pas Quick Striker. Ah! Friends just get in the way. Ah! Ah! Yo! Parce que normalement, soit tu joues TF Ambessa, soit tu joues Akali Nocturne TF Ambessa. Aïe 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 aïe. Akali elle tient pas très bien les zap zap. Je peux mettre un sur chaque mais... Parce qu'en dégâts AP sinon il y a Echo, il y a Elise, Heimer et Zoé. Mais zap zap ça veut dire qu'il faut avoir un tank assez costaud niveau avec beaucoup d'HP. Du coup, Loris, je trouve qu'il a toute sa place. Un peu. Oh là, le Loris Arc, il est incroyable. Hein. Oh, le Loris Arc! Alors, est-ce qu'on joue ce plan, du coup? C'est pas mal les gars ce plan, non? Agreed? TF3, Loris 3. Clown, 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 clown. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ça a du sens en tout cas. Alors il est... Ok. Frog O. Salut les gars, ça va ou quoi? Oh, le vilain car... 40-0. Du coup, je suis en zap zap, on a des gold, j'ai gagné. Je pourrais push un deuxième Loris. J'ai 4. Ah, mais je dois enlever elle. Je pense chill en vrai. Bon, comme quoi, on a une bonne game Enforcer. Mais avec cette direction de zap zap. Ah ouais, on pouvait quand même full Enforcer, mais bon, j'ai eu Akali 2. Loris! Loris! Ouais, c'était très très cool. Hier, TBK, j'ai passé un très bon moment. Vraiment. Pas juste en tant que président d'Aïs, mais en tant que viewer, j'ai passé un excellent moment. Et ça, je pense que c'est. C'est la clé dans mon stream. La dernière musique de Ryleth, ouais. Là, c'est la dernière musique de Damso. Mais... Et en fait, je les ai mises... parce que il faut que j'écoute la blonde de Damso. Bon, en vrai, là, c'est quand même un level 2. Est-ce que je mets l'arc sur TF? Oui, hein. Oh, c'est Vlad Kariza.
Crimson Pact? Crimson. Hein? Oh. Acte de Crimson. Wouah, mal. Il a 2. Sur Stangless Vladimir, gagne 3 de range, gagne 5 de bonus mana each attack. His ability no longer is, je grant 5% damage, 70% de damage, and spread additional damage near nearest enemy. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah bah le Vladimir 2, il fait plaisir. Hein. Looks like trouble. Sur deux tanks, comment on joue deux zaps sur deux tanks frontline un peu éloigné? Comment on joue deux zaps? J'en sais rien, hein, juste on fait des dégâts. Hein. Loris, dès qu'il passera deux, il sera Pikachu. Hein. Après, je teste. Hein. C'est-à-dire que. Ah, alors, je pourrais faire triple zap. Je pourrais faire triple zap, on sera en Loris Pikachu avec Rédemption. Sinon, je peux faire Guizot Rédemption. En vrai, le triple zap, c'est vraiment Loris Pikachu. Je pense que là, on n'a qu'une vie. Hein. Je vais essayer de lui caler Red Buff à lui. Loris Pika Pika. Attrapez-les tous. Je sais pas si c'est la vraie version celle-là. Bzz, bzz, bzz. Il a pris 500 dégâts le Swade. Les dégâts sur Lex. Ah, il faut qu'il passe deux Sloris là. Il y a la luxe. Salut Dredd, bienvenue. C'est la danse. Ça c'est mon Loris. Loris, my friends, Loris. Ouh. Alors on a beaucoup d'objets. Ça c'est pas mal aussi, on a beaucoup d'objets. 2, 4, 6, 8, 9, parce que là j'en ai plus 2. Épitaphe, c'est intéressant aussi. Épitaphe, hein. Collector. Collector, ça va être vraiment pas mal. Hein. Après, Max Health Shield, si on fait des rerolls. Mais Attack Speed, Loris, il le perd. Hein. Mais je crois que c'est mieux. Unique Item? Comment ça, Unique Item? Hein? Ah, pardon. Ah ouais, ok, bien... Oh, bien vu. Bien vu, le chat, bien vu. Très, très bien vu. Salut Darkaradi, salut Livrogne. Waouh. Au pseudo. Salut les gars, bienvenue. Merci de votre soutien. Ah, très cool, Albat. Oui, je l'appelle XC. Allez, le zap! Le zap! Faut tuer! Ah, yes! Ah, il est cool, celui-là. Pardon! Comment ça, 6600? Bah, c'est. Loris Pika. Donnez-moi Loris 2, je vous en supplie. Par contre, je peux faire mieux, hein. Je pense qu'il faut faire ça. Hein. Y'a 4 sentinelles ou. Ah non, non, je suis ok. Ça sert à rien, ça sert à rien. Okay. Ah, Ibzou, je sais pas si tu as vu tout à l'heure, mais on a Royanto qui a 35 visionnages d'affilée.
Le GOAT. Qu'est-ce qu'on veut comme item là? On veut Ginzo, Red Buff, je pense, au trio. A chaque fois que les ennemis lancent un spell, ils se font tellement pulvère. Ginzo TF, c'est pas si fort. TF, il aime bien le raw AP. Ah, si j'ai le red buff, c'est exceptionnel. Là, on manque d'anti-heal. Ok, là, on est online. Hein. Franchement, red buff, zap, 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 rédemption. Ça, c'est de la game. La game de l'année. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5 paires. Non, 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 attends, attends, attends. Ah bah non. This is for everyone I've lost. Après je le relo 7 moi. Mais je me demande si avec ce Zap Zap Rédemption on ne devrait pas juste jouer Leona Hidoy, hein. Non? On se fait chier avec ces clowns là. Là on a tout notre carry, c'est zap zap donc je mets Ambessa pour armure MR. Et... faut vraiment qu'il passe de Loris. Hein. C'est une des nouvelles de Linkin Park. En fait, je suis ok de jouer Akali, parce qu'Akali, elle va donner deux rebelles à Ilaoi et Irelia. Et Akali profite bien des dégâts AP du coup du Shred. Donc pour l'instant, tant que j'ai pas mieux, je la laisse. Ah, par contre, Sinjad, il donne de l'attaque speed à Loris. Regardez le zap zap là au fond. Au fond. Powder. Quel goat, Loris. Ça, c'est du champ. Bon, en vrai, on doit quand même les trouver deux. Donc là, je vais roll un peu hard. On est en chain win, deux champions majeurs. Plus deux paires ici. Et je suis ok de jouer 6 sentinelles dans cette game. C'est mon level 9, mais Akali remplace Ilaoi. Pardon, Akali et Ambessa peuvent changer leur place. On verra, si on trouve Ambessa et Nocturne, je jouerai peut-être. Tire, c'est pas mal. Ah, je suis moins fan des items là maintenant. Ok, 1, 2. Kelly a l'air de vouloir passer 3. Ok. This is what the aim for every the crown. Alors, qu'est-ce qu'on a? Titan, Oge. Je crois qu'Akali elle aime pas trop Titan, hein. Je vais regarder dans les unités. Je mettrai pas Titan sur Akali. Oh, j'aime bien. On va la garder à Kelly. Oh, j'ai Edge of Night.
Il faut jouer autour de Loris. Donc c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Each time an ally dies, allies that share at least one trait gain 5 d'AP, 5 d'AD. On s'en fout, on va jouer avec des sentinelles, nous. Ouais, des sentinelles. Peut-être pas, hein. Sinon on joue 4 sentinelles, c'est déjà pas mal. Oh! Combat start and every 6 seconds, all quick striker attack faster. Bah écoutez, regardez. Ça me rapproche de l'académie. Ok, donc je joue en 4 sentinelles. 5, hein. Ça dégage. Et. C'est Rel qui dégage. 1, 2, 3. Non, c'est Léona qui dégage. Rel. Et là, on joue Nocturne. Ok, bon, on joue en 4-4. On est en 4-4 et on verra où c'est. On verra ce que c'est. Ça. Je sais pas si je roll Illaoi. Pardon, Rel. Parce qu'on va après avoir Illaoi plus il faut que j'ai TF3, Kali 3, Loris 3, c'est. Super. Non 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 monsieur TPK, non non non. Tu nous auras pas. Hameçonné, mais pas prêt à être mangé. Donc là, mais je pense Edge of Night peut être pas mal. Je vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Akali, donc BF. Et du coup là, bon bah soit Ginzo. C'est pour ça que j'hésitais à faire Titan parce que... Je vois pas trop ce qu'on peut faire avec Titan. Faut que je fasse un coup de scout pour voir s'il y a... Des gens qui jouent Loris. Alors Paloris. Oh, 8 visionnaires quand même. Paloris. Alors on a dit, nous on veut ça. Si pas ça, ça c'est très bien. Deux sont bien. Non! J'ai pas réfléchi du coup. J'ai pas besoin de ça. Armure c'est chiant. Clos. Mais je vais pas faire Runan ni Crown Guard. Loris? Paloris? Paloris? Je suis en 8 win streak, je pense qu'on peut tomber, non? Je gamble bien le... Ah, 30 c'est bien. Ah, Runan sur Akali c'est impossible, et bah Titan... TPK est toujours pas sur le Discord d'Aegis. Ouais, ouais, je sais pas ce qu'il fait, il se fait désirer. Allez, Akali, tiens le coup! Allez, ma cousine! Oh non, que ça zap zap! Un dernier! Ok! Ouah, y'a quand même une hélice 2 derrière. Hein. Je suis pas sûr que ça zap zap un max ici. Hein. On est plus à côté de la rédemption. C'est peut-être la fin, mes amis! Dinguerie. Attends, mais je joue tous les jours zap zap zap. Ok, là il faut Anomalie Loris. Hein. Anomalie Loris. Ouais, bon, t'abuses un peu là. T'abuses. On take down, charge next target and stun them, then heal. Wouah, quoi? Charge, stun, heal. Après, je suis loin de Loris 3. Il me faut un truc fort tout de suite. 10% max health, beaucoup. C'était pas mal en vrai.
Pour 60 damage, 60 damage, one damage. Deal 20% de damage block, toi, de magic damage. Ça me fait rire. Très bien. Il y a 300 000 euros de cash prize à Bacao. Oui, mais ce sera pour moi. Je préfère prévenir, baisse Diablo. Pas que tu te fasses de faux espoirs. Donc là, on a gagné 60 d'armure, 60 de MR. Et quand on prend des dégâts, on fait 20% des dégâts bloqués aux ennemis adjacents as magic. Mais vu qu'on a des zap zap zap, personne n'aura de résistance magique devant nous. Donc là, il faut absolument que Loris passe 3 dans cette game. Tout va dépendre de lui. Alors là, on peut perdre. On est contre des joueurs qui sont en train d'all-in. Putain, 8000 dégâts. Donc ça, c'est un petit peu dommage que j'ai pas d'augmente de fou. C'est un peu dommage que ça buffe que mes... Mes Quick Strikers, parce que mes Quick Strikers sont pas très très forts. Mais bon, on aura embêté ça après. Et Akali, elle va passer 3, donc c'est bien. En Bessa, du coup, elle nous rapporte Emissary, donc on a 14 d'armure et 14 d'MR. Loris, c'est quoi ça? Oh, Gangan, pas mal! Baguette! Zap zap! Un autre zap! Non, non, non! Gangan! Non, mais c'est très... Ouh, attends, j'aime bien ce que je vois! Zap Titan. Non, pas Titan. Je vais la mettre devant. Gangan 1 et ça va être pour Nocturne, je pense. Plutôt. Ah, sérieux, j'ai beaucoup d'items là-dessus là. Nice, il a eu. Loris. Salut Blood Bullets, salut El Nono, bienvenue, merci beaucoup pour vos abonnements. No, you can show me. The light is fading. La compo est zinzin. La compo est zinzin. Quadruple zap. Pikachu activated. Anglais irréprochable. C'est une masterclass. C'est une masterclass. Alors le coffre il est pas pour moi. Qu'est-ce qu'il veut? Qui d'autre pour me pulvère finalement? Mais elle a un zap! 5 zaps dans la même partie! Non, mais c'est incroyable! Ah, il me fait dire, il me fait peur depuis le début quand même. Ok, il se fait zapper! Il se fait zapper! Il se fait zapper! Un dernier zap, Vladdy! Boum!
Mais surtout qu'il peut rien faire, il est obligé d'attaquer. Il est obligé d'attaquer. Item. D'ailleurs, j'aurais pu mettre l'arc sur TF, Ivan. Gunblade, c'est pas mal aussi, je pense, maintenant. Ouais. Trois gold. C'est quoi l'avis sur l'interface des objets? Globalement, moi, je déteste. Très bien. C'est très, très bien. Et je pense que tu vas t'y faire en quelques games. De toute façon, la game est finie, non? J'ai pas de level d'après. Je peux pas être en... Je peux être en 3 quick strikers, mais ça sert à rien. Automata, je peux rentrer Malzahar, mais... Si j'ai un ou deux TF nocturne, naturellement... Je pense qu'en vrai, TF3, il est important. Et Ambassadeur aussi, TF3 Ambassadeur. Et c'est vrai que Malzahar, attends mais t'as raison, Malzahar il donne les deux. Oh mais Malzahar on peut être en... En 4 zap perfect synergie. Mais là la game est finie pratiquement. Mais c'est loin le level 9 quand même. Malzahar, il renforce Rael, on s'en fout, il renforce Nocturne, on s'en fout un peu. Donc, alors que TF3, il est important, il a OI2 en BSA2. Je pense que c'est ok de rôle les deux maintenant. No. Les trois là, c'est plus important que mes deux. Allez, ma petite Akali. Ok, on avance doucement. Ah non, on est tombé sur la fonte. Aïe, 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 aïe. Oh là là là, et le zap, il est plus... Oh, la araignée nous a tout pris, là. On est plus dans la backline, du coup, on zap plus au fond. Aïe, 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 aïe. Allez, maintenant, ils ont avancé d'une case, mais c'est too late, quoi. Stockmont est toujours cheaté, hein. Précisons-le. Je sais pas s'ils l'ont nerf depuis. Mais c'était la meilleure augmente du jeu, actuellement. Avant qu'ils enlèvent les augmentes. Pourquoi il y a encore Akali? On n'en peut plus de Ninja Japan Expo? Ah bah Akali, réponse très premier degré. Akali, en fait, elle remplit pas mal de fonctions. On trouve comme unité, donc... Ses sorts sont très champagne, quand même, donc c'est bien. On se fait moins chier que Rael qui met un coup d'une lance qui se met un bouclier quoi. Même la 4 cost Rael elle était chiante. Au moins Akali tu joues un peu quoi. C'est un peu plus shiny. Ok. 1 2 2 et demi. 3. Sacré game, hein. Fever 333, ouais, ils ont fait une musique avec je crois que c'est Yonaka. Non, pas ça.
Ouais, celle-là, je la mets juste après. En fait, Yonaka, j'aime beaucoup. Et Fever 333, elle avait fait une musique déjà avec, avec elle. Non, par contre, elle doit être à côté de... Non, je l'ai Fuji. Ouais, ça coûte cher, deux removers, hein, quand même. Scrap, c'est trop fort. Trop fort. Parce que, ouais, j'ai vraiment une compo bien vénère. Lui, il est level 9, 50 gold. Il joue dans Clank 2, quoi. Regardez la différence. C'est pas une compo, tu vois. Alors, il a eu un plus un scrap au début. Ouais, tu vois. C'est trop fort. Parce que, en fait, tous les champions scrap sont utiles. Genre, Ziggs est vraiment fort. Gangplank est incroyable. Corki est incroyable. Echo est incroyable. Rumble finit bien. Donc, en fait, t'as très peu de pertes de tempo. Et bah, après, tu rentres juste des synergies entre, quoi. Comme là, il a fait avec Elise qui va avec Gangplank et Trundle. Et même Tristana qui peut aider. Artillerie. Ah, il a Artillerie, c'est Gangplank, ok. Merde, la rédemption. Donc, non, non, en vrai, très grosse combe de sa part. Voilà, le Zap Zap est pas très utile parce que il a un shield. Mais il est en 8? Non, il est en 7. C'est 9. Ah, il cherche Echo. C'est fini! C'est fini! C'est fini! On rentre tous chez soi, fin de l'âne. C'est celle-là la musique là. Sans get the fuck out of my face! I am trying to think! Non, j'aime bien. Ah, et du coup, ils ont bien enlevé les augments à la fin. Maintenant, on les a plus. Akali est vraiment très forte, hein. Dans les bons setups, Akali, ça fait deux fois d'affilée que je la joue. TF, j'ai un peu de mal en vrai. En fait, il a. En fait, il est fort parce que les autres sont forts. Mais lui tout seul, il a du mal.